See these three guys right here? Who are they? Okay, if you don't know who that one is or that one is, how about that one? Do you know who that one is? Super Mario. Il n'est pas si surprenant qu'une petite fille reconnaisse davantage un héros de jeux vidéo que Bill Clinton, l'actuel président des États-Unis. Les résultats des influenceurs ratings, une enquête américaine mesurant l'attachement du public aux personnalités fictives et réelles ou aux marques, eux, le sont bien plus. Ils révèlent que Mario est plus populaire que Mickey auprès des enfants. Mario est rapidement devenu une méga star, à tel point qu'il est même plus célèbre chez les enfants américains que Mickey. Mais pour lutter contre la souris de Disney, il ne faut pas rester enfermé dans une cartouche de jeu. C'est ainsi que notre plombier s'est installé sur les propres terres de Walt Disney dans le monde du dessin animé. Super Mario Bros. Que Mario puisse tenir tête au tout-puissant rongeur de Disney sans rougir sous ses moustaches, cela n'est jamais venu à l'idée de Shigeru Miyamoto. Après tout, au moment où il apprend la nouvelle, en 1990, cela ne fait pas 10 ans qu'il le fait bondir dans les écrans cathodiques. C'est pourquoi il reste modeste. On fait souvent ce rapprochement, mais c'est plutôt une idée des médias. Nous essayons de ne pas perdre notre sang-froid. Mickey Mouse a vécu pendant 50 ans, donc pour pouvoir parler sur un pied d'égalité, il faudrait que Super Mario vive encore 50 ans. Derrière lui, le jeu qui tourne illustre l'absurdité d'une telle comparaison. Super Mario All-Stars compile 4 des premières aventures de Mario, dont la plus ancienne date de 1985. Mickey le renvoie au statut de nouveau-né dans Mickey Mania, sorti quelques mois plus tard, dans lequel il revisite plus de 65 années de carrière. Cela n'empêche pas Disney de prendre ses récentes statistiques au sérieux. Moyennant des budgets importants et l'expertise de ses animateurs, elle s'impose comme un acteur majeur du jeu vidéo la décennie qui suit. Certes, comme beaucoup de géants du divertissement des 90s, la multinationale américaine finira par revenir à un modèle de licensing plus classique, sous-traitant sans s'impliquer outre mesure. Néanmoins, cette rencontre au sommet laisse des traces. Quand en 1999, on évoque avec lui Mickey Speedway USA, un Mario Kart-like sur Nintendo 64, Shigeru Miyamoto s'assume en rival. Je ne suis pas impliqué et, si possible, j'essaie de ne pas l'être. Ne vous méprenez pas, j'adore les héros de Disney, mais Disney est le genre de compagnie avec lesquelles je suis en concurrence. Le signe qu'avec l'âge, il considère que son Mario gagne en légitimité et aurait sa place au panthéon des icônes fictives. Briser le joug d'un monstre de la jungle, guérir un secteur économique entier, traiter avec des concurrents prêts à toutes les bassesses pour le faire tomber, faire peau neuve encore et encore, détrôner Mickey, si cela doit arriver un jour, ne sera possible qu'au prix d'innombrables épreuves que Mario devra traverser sans soluce ni code de triche. La dernière, tragique, le marquera à vie. Quant à la première, elle remonte au lointain temps des consoles 8 bits. Pixels de hauteur, 16 pixels de largeur. Difficile d'imaginer pouvoir s'attacher à un héros avec de telles dimensions. Mais Shigeru Miyamoto a plus d'un tour dans son sac. Fort de son expérience sur Sheriff, jeu d'arcade sur lequel il a travaillé en 1979,
Il a constaté que des proportions exagérées permettaient de rendre un visage un minimum expressif et qu'un chapeau évitait une représentation grossière des cheveux. Ainsi applique-t-il ses principes à son nouveau personnage. La tête occupe la moitié des pixels disponibles, qu'il affuble d'un large nez inspiré des illustrations de Guillermo Mordillon et de Hiroshi Okanomizu, le professeur dans le manga de son adolescence, Astro Boy. Pour le couvre-chef, il jette son dévolu sur une casquette puisqu'il doit mettre en scène un ouvrier. Un menuisier a-t-il choisi, en hommage au métier de son grand-père. Pour les détails restants, les contraintes techniques décident presque à sa place. L'impossibilité de dessiner une bouche le résout à délimiter le menton et le nez avec une moustache. La nécessité de marquer une différence de couleur entre les manches et le corps, pour rendre l'animation plus lisible, l'oriente vers une salopette. Parfait. Le personnage se fond dans le décor du jeu, un chantier de construction, et correspond bien au stéréotype du travailleur manuel, tel qu'on le conçoit dans l'inconscient populaire. Si son travail plaît, pense le jeune employé de Nintendo, cela pourrait bien faire décoller sa carrière. Déjà faudrait-il satisfaire son supérieur, qui avait l'air exaspéré au moment de lui confier cette besogne. Depuis que Gunpei Yokoi est passé chef de la R&D1, chargé d'alimenter en flux constant le marché de Game & Watch, des jeux de poche électroniques de son invention, il croule sous le travail. Cela n'a pas empêché Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo, de lui en rajouter. C'est que le patron doit venir à la rescousse de son gendre, parti à la conquête de l'Amérique. Minoru Arakawa s'est installé au début de l'année 1980 au 1107 avenue de Broadway à New York et a fondé Nintendo of America. Au départ, la perspective de réduire les intermédiaires entre la maison mère et les salles d'arcade américaines réjouissait les businessmen nippons. Sauf que Radar Scope, le premier titre à être sorti via cette branche, est passé complètement en dessous des radars. 2000 des 3000 bandes fabriquées restent invendues. Penaud, Minoru Arakawa s'est alors tourné vers son beau-père et a requis l'envoi d'un jeu de substitution dans les plus brefs délais, le stockage de ces machines encombrantes étant très coûteux. Hiroshi Yamauchi, mécontent de ce faux départ à l'international, prend des mesures drastiques pour régler le problème. Sa déception vis-à-vis de Masayuki Uemura, à la tête de la R&D2 d'où provient Radar Scope, est telle qu'il refourgue le projet à un autre chef de division, Gunpei Yokoi. Mal à l'aise avec ses méthodes de management qui consistent à mettre en concurrence ses salariés, Yokoi s'exécute mais va, à son tour, s'en décharger. S'il limite la casse, estime-t-il, la direction s'en contentera. Sans se tourmenter, il délègue une grande partie de la tâche à un débutant. À 27 ans, 3 années après avoir été embauché chez Nintendo, on n'a encore jamais donné la chance à Shigeru Miyamoto de briller. Il n'est assigné à aucune des 3 branches que compte la société Kyotoit et sert de bouche-trou à disposition des besoins des uns et des autres. Gunpei Yokoi l'avait appelé en renfort pour élaborer un Game & Watch Popeye, inspiré de l'épisode Dreamwalking où le marin bourru devait escalader des échafaudages pour sauver Olive Oil des griffes de Brutus. Quand l'affaire Radar Scope change les plans. Pour ne pas repartir de zéro, les travaux préparatoires du Game & Watch Popeye servent finalement à créer un jeu sur arcade, à même de rapidement remplacer le jeu boudé par le public. Miyamoto dessine et conceptualise Popeye dans l'attaque des tonneaux de bière, nom de code du projet, signé de sa main le 21 mars 1981. Il envoie ensuite ses instructions à une entreprise externe, la Ikegami Tsushinki, Nintendo sous-traitant encore la programmation de ses jeux. Sauf qu'entre-temps, un nouvel imprévu survient. King Features, le détenteur des droits de Popeye, juge que la charte graphique de la licence n'est pas respectée et empêche finalement Nintendo de l'exploiter. Plus officieusement, les géants de la pop culture pour enfants rechignent encore à loger leurs héros dans des salles d'arcade qui sont bien souvent le repère des voyous. D'où la nécessité pour Miyamoto de devoir ébaucher des personnages originaux. Reste à savoir si le remplaçant de dernière minute, son menuisier au grand pif, sera convaincre les joueurs américains d'insérer une pièce dans sa borne. Histoire de mettre du beurre dans les épinards.
Dans un New York rongé par la délinquance et la corruption, les salles d'arcade grossissent les rangs des lieux réputés mal famés. Ces jeux se trouvent dans des salles qui servent de lieu de rassemblement à des loubards. Le phénomène du moment, Pac-Man, en plus de faire souffler un vent de fraîcheur au milieu des innombrables shooters galactiques, participe à rendre cet environnement plus familial. Et il n'est pas le seul. Many teenagers are frank in admitting their dependency. These games are really hard to do. It just takes a lot of skill, hand-eye coordination, and it doesn't cost as much as some other things, and it's legal. À la droite du jeune homme qui se justifie d'aimer tâter du joystick, un autre jeu se démarque des clones de Space Invaders. Donkey Kong. Voici donc le Popeye revisité par Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto. Brutus est transformé en un gorille idiot, Olive Oil a troqué son pull à col Claudine contre la robe en lambeaux de la demoiselle en détresse. Quant au matelot changé en ouvrier à salopette, il n'est plus menuisier mais charpentier. La faute à une traduction approximative. Intronisé au public sous l'appellation Jumpman, histoire de coller au nom à la mode, les équipes de Nintendo of America l'ont rapidement rebaptisé Little Mario, en référence à Mario Siegel, le propriétaire de l'entrepôt qui stocke leurs bornes à Seattle. Ces bornes, justement, ces 2000 satanées bornes de Rataskop dont personne ne voulait, s'arrachent de toutes parts depuis qu'on a remplacé ces circuits imprimés par ceux de Donkey Kong. Mieux, si la durée de vie d'un jeu d'arcade se limite en moyenne à 3 ou 4 mois, ici, le succès persiste, les ventes croissent, la marque Nintendo jouit d'une notoriété sans précédent et émerge une Donkey Kong mania. Donkey Kong? Donkey Kong? Now, on your breakfast table, Donkey Kong Grand cereal. It will drive you ape. Pete, I'm gonna jump, you're gonna crunch. Here we go! Mario prononce sa phrase d'accroche avec 15 ans d'avance, here we go, mais il va falloir être encore un peu patient avant la gloire. Dans Donkey Kong, à l'instar d'un film de Kaiju, la star, c'est le monstre. Il suffit de feuilleter les magazines pour s'en rendre compte. Donkey Kong fait la une, seul. Donkey Kong parade parmi les autres mastodontes de l'arcade, seul. Sur l'emballage des produits dérivés, puzzles, les jeux de cartes ou autres albums d'images à collectionner, le brave charpentier est relégué au second plan. C'est le gorille à qui on réserve le plus gros sticker, à l'effigie de qui on confectionne une peluche, en l'honneur de qui on consacre une chanson. Mais rester dans l'ombre de son adversaire ne l'empêche pas de prendre la lumière. Un coup dans les cases d'une bande dessinée Marvel, un autre dans les livres de coloriage, ses apparitions finissent par le rendre identifiable à défaut de susciter la sympathie. Le personnage a hérité du caractère bougon de Popeye, son nez rouge semble suggérer que lui aussi abuse de la bouteille. Avec sa calvitie prononcée sur certains dessins et sa quarantaine bien entamée, on est loin de la figure héroïque. Au contraire, il est soit représenté comme un être sournois, servile, grossier, au point de paraître presque plus mauvais que le singe, soit comme une victime. Attaché, assommé, sali, il subit humiliation sur humiliation face à la tête d'affiche du cartoon Donkey Kong sur CBS. Ultime coup de massue sur le crâne du pauvre Mario, dans Donkey Kong Jr., la suite de Donkey Kong, cette fois-ci programmée en interne par Nintendo, il devient l'antagoniste, un cruel geôlier empêchant un fils de voir son père. Rôle qui n'aurait jamais pu être attribué à Popeye. Par chance, la roue va tourner. En 1983, stoppé en pleine ascension, Donkey Kong est appelé à comparaître devant un juge. Nintendo se retrouve embourbé dans un procès intenté par Universal, accusé de tirer avantage de la popularité de King Kong. Il faut avouer que les jaquettes alternatives du jeu et autres articles illustrés, avec leur style réaliste,
accentue la ressemblance. Heureusement, le charpentier mal-aimé s'avère être un précieux atout pour continuer à sortir des jeux. Alors qu'il sera nécessaire de montrer que Donkey Kong, document de conception à l'appui, n'est en réalité qu'un jeu Popeye dont les sprites ont été changés sur le tard et que le primate géant fait de toute façon partie du domaine public, Mario, libre de droit, lui, est pleinement disponible. Ce qui va ravir son papa. Mario delivers. Les flyers de Wrecking Crew partent en impression. Petite fierté pour Yoshio Sakamoto de voir ses sprites apparaître moins rudimentaires sur des dessins publicitaires. Soudain, il sent une présence dans son dos. « Tu devrais changer ton personnage pour Mario », suggère Shigeru Miyamoto, examinant de plus près le bonhomme armé d'un marteau. Il est facile à dessiner et les gens le reconnaissent. Sakamoto, influençable, pas encore le producteur renommé qui supervisera la série des Metroid, se laisse convaincre par son collègue plus expérimenté. Les flyers sont redessinés et les sprites modifiés. Miyamoto nourrit de grands espoirs à l'égard de Mario, qu'il essaie de pistonner partout où c'est possible. En témoigne le nom qu'il lui avait donné avant qu'on choisisse pour lui Jumpman puis Mario. Initialement, il l'évoquait sous le nom d'Osan, contraction du mot Ojisan, terme générique qui signifie le type, le mec, le gars, avant de réfléchir à quelque chose de plus significatif. Il préconisa Mister Video en vue d'en faire un personnage récurrent, une sorte d'ambassadeur du jeu vidéo à qui l'on pense lorsqu'on évoque ce médium. Dès le départ, Mister Video était voué à revenir et, de surcroît, devenir le moyen pour son inventeur de signer les titres auxquels il contribue. Démarche révélatrice de ses ambitions. 4 années à suivre une formation de dessinateur industriel à l'Université des Beaux-Arts de Kanazawa et 6 à travailler chez Nintendo, oui, la vie a fait emprunter à Shigeru Miyamoto un chemin différent de celui qu'il imaginait prendre enfant. Devenir mangaka. Ce n'est pas pour autant qu'il a renoncé à exploiter ses dispositions créatives. Faire de Mario sa signature d'artiste et sa façon d'imiter les auteurs qu'il admire tels que Osamu Tezuka et Fujio Akatsuka, avec leurs personnages gimmicks qu'il recycle souvent, ou Alfred Hitchcock et son habitude d'apparaître en caméo dans ses films. Porté par un besoin de reconnaissance, il cherche à imposer son Mister Video là où c'est possible, le dotant rapidement d'un CV long comme le bras. Mario has been risking his neck against Donkey Kong. He's up to his neck in cement in Mario's cement factory. Watch out, it's gonna spill! A tabletop game from Nintendo. Avril 1983, mouleur cimentier dans Mario's Cement Factory. Novembre 1983, démineur militaire dans Mario's Bomb Away. Janvier 1984, arbitre dans tennis. Février 1984, manutentionnaire dans pinball. Mai 1984, golfeur dans golf. Mario a plusieurs casquettes. Il s'incruste même dans le public de Punch-Out. Ses boulots sont néanmoins des extras. En réalité, dès mars 1983, il avait déjà décroché un CDI dans un jeu bien moins mineur, Mario Bros. Le personnage s'y est non seulement découvert sa vocation professionnelle, mais aussi de la famille. Mario Brothers have their hands full. Sous l'impulsion d'un Gunpei Yokoi ayant à cœur d'incorporer la possibilité de jouer à deux, que ce soit sur la version Game & Watch du jeu, développée en premier lieu, puis sur la version arcade, Mario s'est vu présenter un frère jumeau, Luigi. Un sprite identique au sien, car cela économise de la mémoire. Un pragmatisme qui a régi toute la conception du jeu et généré les bases de l'univers si caractéristique de Mario.
Yokoi souhaitait faire évoluer la formule du jeu de saut, ce qui a amené à penser la structure des niveaux en étages, et avec elle une façon originale d'attaquer les ennemis par-dessous. Le jeu devenant trop facile, puisque les frères n'avaient plus à s'exposer au danger, il fut prescrit que le choc ne devait qu'immobiliser et qu'il fallait s'approcher pour achever le travail. Des créatures pouvant se remettre sur pied après avoir été bousculées, des tortues a préconisé Yokoi. Des reptiles qui rampent le long de tuyaux, révélant de gigantesques égouts comme on les fantasme dans les sous-sols de New York. Dans ce contexte, Mario et Luigi se reconvertissent spontanément en plombiers de Brooklyn. Excuse me, Lauren. I wanted to ask you about the game. Anyway, what you think about this game? And Lawrence. Hey, Lawrence. I'll get his attention. Enfin, à l'affiche de son propre jeu, Mario ne captive pas tellement dans les salles d'arcade, contrairement à ce que laisse supposer l'attitude de Lawrence. Visuellement trop austère au sein d'un marché où la performance technique prévaut, il fait pâle figure aux côtés de Star Wars et sa 3D vectorielle ou du dessin animé interactif Dragon Slayer. Pas de quoi chagriner Miyamoto, le plombier trouvera son public sur console domestique. En revanche, son orgueil est flatté par la récente vague de jeux incluant la possibilité de sauter. Un peu partout, dans des productions de plus en plus sophistiquées, aidées par la démocratisation de la technologie du défilement d'écran, on voit divers avatars s'élancer dans les airs, enjamber des gouffres, attraper des lianes. L'expérience du genre s'enrichit, on parle maintenant de jeu d'aventure. Considérant la mécanique du saut comme son invention, s'il avait pu, il l'aurait breveté, il a envie de montrer à tous ses imitateurs qu'il a un coup d'avance et décide d'appuyer sur le champignon. En errant dans cette sombre ruelle de Tokyo, l'animateur Yuji Nakamura ne s'attendait pas à croiser Mario accroché à un lampadaire. C'est la vedette dont tout le monde parle. La rédaction de Family Computer Magazine, dont l'activité a débuté en été 85 dans l'élan du succès de la Family Computer, rapidement surnommée Famicom par les joueurs, et à l'initiative de ce reportage vidéo diffusé sur TV Tokyo, est bien placée pour le savoir. Le personnage moustachu ne cesse de grignoter des pages dans leurs bandes dessinées, tutoriels, encarts publicitaires, et les produits dérivés foisonnent. Le vendredi 13 septembre 1985, loin d'avoir porté la poisse à la mise en rayon de Super Mario Bros, a marqué le début d'un séisme culturel. On hurle Mario, on mange Mario, on chante Mario. Les Japonais se passionnent pour le royaume champignon et sont 1 million à se ruer sur le guide du jeu
la meilleure vente de l'année en librairie. L'enthousiasme est tel qu'il a motivé des studios de production à réaliser Super Mario Bros. Pichime Kyushutsu Del Sakusen, une des premières adaptations cinématographiques d'un jeu vidéo de l'histoire. Forcément, un tel engouement amène les médias à s'y intéresser. Yuji Nakamura mène l'enquête avec humour. Touché par la détresse de Mario, l'animateur se lance à la poursuite de son géniteur. La spécialité sucrée de Kyoto lui fait comprendre qu'il doit traverser le Japon jusqu'à son ex-capitale impériale. Maintes péripéties plus tard, les téléspectateurs découvrent avec lui le grand bâtiment austère de Nintendo, son personnel d'accueil, ses couloirs. Malencontreusement, l'homme qu'il finit par présenter comme le père de Mario est un imposteur. Kenji Miki, embarrassé face à la caméra, n'a pas été impliqué dans le développement de Super Mario Bros. Mais pour Nintendo, les jeux sont avant tout le fruit d'un travail collectif et plusieurs employés peuvent légitimement servir de porte-parole. Quelle que soit la raison qui a amené Miki à s'exprimer à sa place pour TV Tokyo, Miyamoto ne reste pas dans l'ombre pour autant. Il s'est déjà récemment prêté à l'exercice de l'interview croisée aux côtés du créateur du shoot'em up à succès Xevious et se met en scène de temps en temps dans des foires aux questions sous le pseudonyme Miya-On pour réagir, entre autres, aux rumeurs concernant un niveau caché féerique dans Super Mario Bros, en réalité un bug. Pour le reste, son quotidien n'a pas changé outre mesure, à un détail près, puisque son premier fils, réel celui-ci, est né à cette période. Mario est en effet devenu un phénomène de société et s'est imposé comme la mascotte de Nintendo à la place de celle conçue initialement par la firme pour la Famicom, Kankichi. Pour célébrer le bouclage de leur cartouche à succès, seulement 3 heures de beuverie ont été octroyées par Miyamoto à son équipe avant de passer à autre chose. Difficile de prendre la pleine mesure de ce qu'ils viennent de créer dans ces conditions. Un jeu pour lequel, à contrario, ils ont pris le parti d'étendre le temps de développement au-delà de ce qui se fait habituellement. Neuf mois, contre 3 à 6 généralement, ont été alloués pour mettre sur pied une aventure ambitieuse, sur Terre, dans les airs, sous l'eau. De quoi faire définitivement oublier l'envahissant gorille et faire autorité sur un genre dont Miyamoto revendique la paternité. Super Mario Bros. A été pensé comme le tout dernier jeu commercialisé sur cartouche avant le passage à un nouveau support, le Disk System. La R&D 4, la branche de Nintendo entièrement dédiée à la Famicom, qui se rôde au développement de jeux à scrolling vertical, horizontal ou multidirectionnel depuis 1983, a voulu conclure l'histoire des cartouches Famicom en apothéose avec ce qui peut se faire de mieux sur ce support onéreux que l'on croit alors voué à disparaître. Parmi les employés de la R&D 4, des futurs piliers sont aux manettes. Toshihiko Nakago à la programmation et Takashi Tezuka, assistant réalisateur et designer. C'est ce dernier qui a suggéré Mario en héros du jeu, vu les bonnes ventes de Mario Bros. Sur console. Miyamoto, Tezuka et Nakago forment alors un trio de choc qu'on surnommera rétrospectivement le Triangle d'Or. Autre élément remarquable, Koji Kondo,
compositeur attitré de l'équipe, à l'origine du thème mythique de Super Mario Bros, dont l'air a été influencé par le morceau Sister Marianne du groupe japonais de jazz fusion T-Square. このビデオテープで任天堂のテレビゲームがどのようにして出来上がるかがご理解いただけたと思います。ありがとうございました。Pour son comeback, Mario est redessiné avec un visage plus sympathique et son nom se voit précédé de l'adjectif super en référence à sa faculté de se doter de super pouvoirs, comme lancer des boules de feu, ainsi qu'à sa nouvelle capacité d'agrandissement. Un changement qui a pris racine dans le désir d'en mettre plein les yeux. Et en 1985, qui dit impressionné, dit gros sprite. Des tests ayant également conclu qu'il était plus satisfaisant de gagner un bonus d'agrandissement plutôt que de commencer grand, un champignon faisant office de power-up vint sur le tapis. Un aliment connu pour ses vertus magiques dans les contes, qui a servi de base au reste de la scénographie, le royaume champignon, mélangé aux composants de Mario Bros, les tuyaux et les Koopas. Les tortues se sont trouvées un souverain cracheur de feu, Bowser, qui retient en otage une princesse, Peach. Ce que Mario ignore, alors qu'il se prépare à s'exporter à l'étranger, c'est qu'il ne va pas se contenter de sauver une énième demoiselle en détresse, mais va relever du naufrage un secteur économique tout entier. Ça y est, Miyamoto a perdu la flamme, s'exclame le gamer irrité devant son écran. Un champignon empoisonné dès le level 1? Sérieusement? Une fausse warp zone qui fait tout recommencer de zéro? Parlons aussi des sauts impossibles et du vent qui les rend pénibles à doser. Non vraiment, pense-t-il, Super Mario Bros. 2 est mal fichu de bout en bout et est resté trop proche visuellement de son prédécesseur. Cet épisode ne doit pas sortir en dehors du Japon. Pourquoi on l'écouterait? Parce que c'est Howard Phillips. And you're about to meet the man at least partially responsible for Nintendo's popularity. He's Howard Phillips, also known as Mr. Nintendo, and for good reason. An argument could be made that Howard is responsible for making Nintendo America's best-selling Christmas toy. To play the Nintendo Entertainment System. Depuis ses débuts en logistique à gérer l'approvisionnement des bornes Donkey Kong, Howard Phillips a pris du galon. Il s'est fait remarquer par la direction grâce à un attribut pas si commun chez les adultes de sa génération, y compris chez Nintendo, aimer les jeux vidéo. On le compare au personnage incarné par Tom Hanks dans un film récemment sorti au cinéma. Howard, are you... Tom Hanks, are you the character in Big? Who are you? Big raconte comment Josh, un adolescent devenu adulte à la suite d'un mauvais sort, fait exploser le chiffre d'affaires d'une entreprise de jouets en lui prodiguant des conseils. Un esprit juvénile capable de cerner les attentes des enfants, c'est la qualité qu'on prête à Howard Phillips. À ce titre, Nintendo en fait non seulement son visage médiatique en Amérique, mais aussi leur analyste de produits. His official job title is Product Analysis Manager, which is really just a fancy way of saying that Howard plays games for a living. I do have to keep fluent and literate in all the different games that are available, and the only way to do that is spend the hours. So on some days I'll play games all day, 8 hours or more. I play with all of this stuff, and then I go in and I tell them what I think. And they pay you for that? Yeah. Suckers! Le job fait rêver les gosses. Au contact de Super Mario Bros. 2, hélas,
Howard Phillips a enduré un cauchemar. Extension plus qu'une vraie suite? Pour les Super Players, peut-on lire sur le sticker de sa boîte japonaise? Le jeu est le fruit d'un moment de précipitation visant à capitaliser autour du succès du plombier. Le genre de logique qui fait peur aux Américains et les renvoie à une sombre époque. The home video fad of the early 80s had a spectacular rise, but the bottom fell out of the first home video boom virtually overnight. 1983, earnings for the industry peaked at $3 billion. Only 2 years later, sales plummeted to a paltry $100 million. Industry experts like Howard Phillips blamed the poor quality of the early video game systems. When it first came out in the early 80s, everybody rushed out to get one. It was so marvelous that you could have this in your home. It was something that all the kids were rushing to. In the arcades, it was very, very enticing. Unfortunately, it was also junk. De nombreux facteurs ont contribué à faire couler le secteur des consoles de salon aux États-Unis. La pléthore de titres médiocres principalement, dont E.T. sur Atari 2600, devenu le symbole du crash de 1983. Trop de clones, de rééditions, de backlash, et des cols blancs qui semblaient croire que la jeunesse allait allonger la monnaie indéfiniment. Kids no dick. I watch them in my arcades. They stand like laboratory rats hitting the feeder bar to get a food pellet. But as long as they keep pumping in the quarters, who gives a shit, right? Le positionnement qualité de Nintendo fut une réponse directe à cette situation. Hiroshi Yamauchi a compris que le jeu vidéo sur console a plus à offrir qu'on ne le croit. Et résultat, lorsque la Famicom fut exportée sous la forme de la NES, soutenue par une campagne publicitaire à haut budget, elle redressa la barre presque à elle toute seule. What will the future bring from Nintendo? More hits like Super Mario Brothers. Nintendo, you cannot beat us. Oh yeah? Victor! Now you're playing with power. En locomotive de ce nouveau départ, Mario. Et il se doit d'être à la hauteur de la confiance acquise, pense Howard Phillips. Ne pas retomber dans les travers qui ont fait plonger le secteur. Si suite il y a, et il en faut une rapidement vu les enjeux financiers, il va falloir être malin. L'été précédent, année 1987, les Japonais se sont rendus en masse au Yumekojo, la fabrique à rêve, un festival vitrine des technologies de demain. Ils y ont fait la connaissance d'un groupe de joyeux lurons, spécialement créés pour promouvoir l'événement et vendre des produits dérivés. Posters, jouets et un jeu vidéo. Yumekojo Doki Doki Panic. Une production Nintendo commandée par la Fuji Television, partenaire du festival, concoctée dans le même esprit que Mario. Tout naturellement, alors que l'Amérique lui refuse son Super Mario Bros. 2, une opération maquillage est amorcée. Les protagonistes, calqués des contes des Mille et Une Nuits, sont remplacés par Mario, Luigi, Todd, Peach, puis sont ajoutés quelques clins d'œil musicaux et des items familiers, champignons et carapaces. Yumekojo Doki Doki Panic se métamorphose en un Super Mario Bros. 2, version occidentale. La série et son univers étant encore jeunes, les joueurs n'y voient que du feu. What's good about it? Birdo, he shoots the eggs out of his nose. And also there's this part where you can't go anywhere except for fall down a pit, but you pick up this thing and this rocket appears out of nowhere and it flies to another board. It's weird. En septembre 1988, Super Mario Bros. 2 version USA est un grand succès. Le poteau rose ne sera découvert qu'après coup. Toujours est-il que cette mésaventure illustre la responsabilité croissante de Mario. Devenu le visage de Nintendo, les attentes s'amplifient. On lui demande d'aider à la promotion de jeux d'autres franchises. Megaman est plus méga que jamais. Il souffle, Herman. Top Gun sous un nouvel angle. Top Gun 2. Et on va lui pardonner de plus en plus difficilement des prestations en dessous de l'excellence. Pire, Hiroshi Yamauchi voit mal lancer une console sans lui, malgré les délais courts de développement que cela implique. Mario a la pression, de même que Miyamoto, bientôt sollicité par les médias du monde entier.
最初にマリオブラザーズとかあのドンキーコンを作った時は任天堂はこんなに成功するとは思いましたでしょうか。そうやっぱり運が付きまとわないとなかなか成功というのはしないですからね。任天堂が成功するかとかそういうことは思わなかったですけども。 You are very important、うん、ありがとうございますThank you very much. This is Shigeru Miyamoto. Japanese youngsters call him the god of games. In America, he'd be pampered and probably a millionaire. But this is Japan, so why don't they seek their fortune elsewhere? Well, we're not paid glamorously for developing games which sell well, but the company is a sponsor. It encourages and pays for us to visit museums, to go to movies or even short trips so that we can get inspired. So everyone's happy to work for the company, especially as we get the prestige of being associated with it.L'incroyable ascension de Nintendo pique la curiosité des journalistes du monde entier. Le siège de Kyoto devient l'Olympe des jeux vidéo. Le domaine du Zeus japonais Shigeru Miyamoto, qui fait se sentir tout petit ses concurrents. Ou de Monsieur Mario, comme on l'identifie maintenant. Pourtant, son implication dans les aventures de son personnage a diminué d'année en année. Avec l'arrivée prochaine du successeur de la Famicom, la Super Famicom, et l'augmentation du nombre de chantiers, son métier a changé. Est-ce que vous êtes aussi créatif qu'avant ? C'est une chose qui m'inquiète. Les budgets sont grands et les sommes d'argent qu'on peut dépenser pour le développement d'un soft ne sont pas limitées chez Nintendo. Si j'étais indépendant, je m'exposerais à de grands risques. Et les décisions que je prendrais pourraient entraîner de sérieuses conséquences. Cela me ferait un peu peur. On finit par se demander si on est manager ou créateur. Le créateur-manager peine à faire la part des choses. Il tente à se désigner non plus comme réalisateur, mais producteur. La plus grande différence entre le rôle de producteur et de réalisateur, selon ses propres mots, c'est que quand vous réalisez, vous supervisez chaque étape du développement vous-même pour s'assurer qu'il s'agit bien de votre jeu. Le réalisateur est ainsi le véritable artisan du projet. Il a l'œil sur chaque détail. Le producteur amène un regard extérieur, éclaire les jeunes recrues de son expérience, intervient quand un recadrage s'impose et façonne un environnement de travail propice à l'expression de chacun. Du moins, en théorie. Dans la pratique, Miyamoto réfrène avec difficulté sa soif de contrôle. Généralement, les développeurs viennent vers moi quand ils ont des choses qui fonctionnent à un certain degré, a-t-il déclaré. Mais parfois, je passe derrière eux et remarque qu'ils se sont perdus. Dans ces cas-là, je me retrouve à passer plus de temps que d'habitude dans la salle des développeurs. En ce qui concerne la version japonaise de Super Mario Bros. 2, aucun problème à lâcher prise, il s'agissait d'un contenu additionnel. Et Super Mario Land, la mouture Game Boy de l'équipe de Gunpei Yokoi, il n'a même pas eu son mot à dire. Être le créateur de Mario ne lui a pas octroyé un droit de regard sur ce qui touche au personnage, qui reste avant tout la propriété de Nintendo. Mais pour le développement du troisième acte de Super Mario Bros., véritable suite au jeu original, il n'a pas pu s'empêcher de remettre les mains dans le cambouis. Son bras droit, Takashi Tezuka, au poste de réalisateur, initialement décidé à innover en exploitant une puce multipliant par 10 la capacité de stockage des cartouches, avait fait fausse route. Super Mario Bros. 3 était alors un jeu en vue isométrique. Peu convaincu, Miyamoto a finalement repris les rênes, davantage attaché à rendre plus accessible le gameplay que de le changer en profondeur. En réfléchissant par exemple aux moyens de permettre aux joueurs de frapper les ennemis sans sauter. Et c'est après que Tezuka, au cours d'une réunion, ait imité Mario volant en agitant les bras, qu'il décide de permettre à un Mario raton laveur de mettre des coups de queue et de s'envoler. Cette transformation en a engendré une autre, qui a relancé la machine créative au moment où le développement traînait. Pendant 2 années de dur labeur, Miyamoto a largement outrepassé sa fonction, avide de proposer le Mario ultime sur Famicom avant l'avènement de la prochaine génération de consoles. Le produit fini sera érigé au rang de classique absolu dans le monde entier. Entrale al gran mundo de Super Mario 3. Super Mario dans Super Mario 3 de Nintendo. It's happening everywhere. Mario fans are jumping up and down.
over New Super Mario Brothers 3. 新しい冒険が始まった。なあなあ、僕と一緒に遊ぼうよ。僕らはマリオと強くなる。テクニカルファンタジーゲーム、スーパーマリオブラザーズ3。Mais comme pour Super Mario Bros. Premier du nom, la satisfaction est de courte durée. Super Mario Bros. 3 n'est pas disponible dans les boutiques japonaises. Kiroshi Yamauchi promet déjà un 4, voué à accompagner le lancement de la Super Famicom. Un cycle infernal se met en place, et Shigeru Miyamoto n'a plus d'autre choix que de prendre de la hauteur. C'est la seule façon de gérer la montagne de travail à venir et fuir l'impasse créative. Pas de chance, le moment qu'il choisit pour s'éloigner un temps de Mario coïncide avec les premiers effets pervers du succès insolent de ce dernier. Là-haut, sur son nuage, il commence sérieusement à exaspérer, ne se contentant pas de planer pacifiquement. À force d'envoyer des pics, il va réveiller un monstre. It is the video game craze, the Nintendo craze, but this year Nintendo may be up against some serious competition. This could be Nintendo's biggest and best super-selling season. But will it be its last? Le long du hall du Summer Consumer Electronics Show, Yuji Naka visite les différents stands et fait halte devant le légendaire Lord British en train de présenter le dernier épisode de sa série de jeux de rôle, Ultima. Tout à coup, une voix derrière lui se superpose à celle du développeur anglais. Est-ce que c'est intéressant ? Yuji Naka se retourne, surpris, et se retrouve nez à nez avec Shigeru Miyamoto, que son entreprise a désigné comme l'homme à abattre. Ces derniers mois, la direction de Sega l'a en effet chargé de coder un jeu en mesure de marcher sur les plates-bandes de Mario. Fan du plombier, Naka s'est exécuté en commençant par identifier les points frustrants de Super Mario Bros. Quand vous jouiez à Super Mario Bros, il fallait constamment recommencer au niveau 1-1, avait-il noté. Il y avait les Warp Zones, mais il fallait toujours refaire le niveau 1-1, ce qui devenait fastidieux. Alors j'essayais toujours de traverser le niveau aussi vite que possible. C'est ce qui a inspiré le concept initial de Sonic. Un jeu plus nerveux, Yuji Naka avait trouvé sa voie. Dans le même temps, le service marketing a organisé des concours créatifs en interne pour imaginer à quel personnage donner la vedette. Un hérisson bleu à l'air narquois est sorti du lot. Si ce n'était que ça, Naka pourrait regarder Miyamoto dans les yeux sans embarras. Mais sans doute s'est-il senti moins à l'aise, connaissant les publicités de Sega pour vendre sa création. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? But Nintendo don't. La publicité comparative est un procédé risqué. Un faux pas et les tribunaux peuvent s'en mêler. Les cadres japonais de Sega le savent et ne sont pas du tout en accord avec cette façon de faire. Mais leur président n'a pas laissé d'autre choix. Son pari, se fier à Tom Kalinske, un homme d'affaires américain redoutable, connu pour avoir relancé les marques Hot Wheels et Barbie. Outre avoir préconisé une baisse de prix de la Sega Genesis et la mise en avant des jeux de sport et de licences populaires en Amérique,
Kalinske a mis sur pied une campagne décomplexée sur le modèle de leur mascotte et de leur cible, adolescente, insolente, railleuse. Une tournée nationale est même organisée dans les centres commerciaux pour dénigrer Mario ouvertement devant les enfants. Super Nintendo, Predator Boss, we challenge them. We think we're better than, but it's up to you to decide. For Christmas, I'm going to ask my mom for Sega Genesis because it's way better than Nintendo. Whoa. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear. If you were colorblind and had an IQ less than 12, then you wouldn't care which portable you had. Of course you wouldn't care if you drank from the toilet either. We at Sega have learned that some people are actually throwing their one-color portables away. We urge you to stop. There are still many practical uses for them. Fix a wobbly chair. Look, a cat massager. Bread cheese snack. Use them to tenderize meat or even as sunblock. Sega! C'est plus fort que toi. Yuji Naka devrait-il s'excuser de ce tapage médiatique ? Non, répondrait-il. Cette guerre est menée exclusivement hors du Japon et il n'a aucun poids décisionnaire dans la stratégie de son employeur. Et non, répondrait Tom Kalinske, puisque, de son point de vue, Nintendo l'a bien cherché. Catégories confondues, trois années durant, Nintendo a dominé le classement des ventes de jouets et concentré 90% de parts de marché sur le secteur du jeu vidéo en particulier. Devenu mégalo, Mario s'est présenté tel un messie régnant sur les États-Unis dans les publicités de Super Mario Bros. 3, se sachant très attendu après qu'il ait été diffusé en avant-première des images du jeu dans The Wizard, film plus proche d'un placement de produit que d'une œuvre cinématographique. Mario atteignait alors son pic de popularité, devenu de surcroît numéro 1 des audiences jeunesse du petit écran. Et vous, éveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Une émission télé hybride entre prise de vue réelle et dessin animé est diffusée, The Super Mario Bros. Super Show, et ses partenaires sont devenus des géants. Look on Pepsi for your chance to win Nintendo prizes. Il y a eu à boire et à manger. Attention à l'indigestion, à l'overdose, dirait Robin Williams. I found something a lot more scary than cocaine, called Nintendo. Give him a little chocolate. Daddy, who's in this? Daddy. Mario. He had the Game Boy, and now he has the Nintendo, and now he'd have to have another unit just for that one game. Doesn't seem right. I'm going to say no, and I'm going to explain to him how people market things to make you spend more money. To marketing vice president Peter Main, selling Nintendo is easy. They come, they try, they like, and they buy, and it's a fun business. Especially fun if there's no competition. Oh, I believe that the manufacturing costs of these products have gone down significantly for Nintendo. They've just kept all that money instead of passing it on to consumer. There's no reason for them to. There's no competition. Nintendo fixed prices with their dealers, wouldn't allow dealers to discount. They were able to contact all major retailers and intimidate them not to handle Nintendo product. We decided if we could make a video game system with quality games that we would be successful. We took that gamble, and now I think it's appropriate for us to reap the rewards of that game. That is capitalism. Octroyant le pouvoir de négocier des emplacements spécialisés dans les magasins, quasiment des boutiques dans les boutiques, la position monopolistique de Nintendo of America tire la filière vers l'abus. It's me, Mario. Elle se fait épingler en raison de pratiques anticoncurrentielles, le price fixing, et devra verser 25 millions de dollars de coupons de 5 dollars à ses clients. À se croire tout permis, il était presque prévisible qu'elle attire un homme de l'envergure de Tom Kalinske. La perspective de couper la tête d'un roi trop confiant attise des flammes dans les pupilles de cet ambitieux PDG, carburant au challenge. La dictature, c'est terminé, a-t-il clamé au Los Angeles Times, comme sur le point de renverser un régime totalitaire. Et s'il a la conviction qu'il en est capable, c'est que quand ses collègues et lui ont mis la main sur une copie de Super Mario World, le quatrième épisode de la série, ils n'ont pas été impressionnés pour un sou. Notamment Al Nielsen, le directeur marketing de Sega. This didn't look like 16-bit.
kind of looked 12-bit, if I want to coin a phrase. It just wasn't taking it to the next level. Est-ce que la R&D Force est relâchée pour mériter ce verdict? Difficile à dire. Takashi Tezuka, à nouveau aux rênes du développement et cette fois-ci moins épaulé par Miyamoto qui s'en tient à son rôle de producteur, a fait revoir tout le système de progression du jeu ainsi que la carte, au départ trop proche de Super Mario Bros. 3. Des efforts ont été également fournis de façon à souligner la puissance de la Super Nintendo, plus de couleurs, effets de transparence, rotation des plateformes, mouvement parallaxe du décor et sprites volumineux. Yoshi aussi a enfin pu être inclus, une sorte de dinosaure que Tezuka et Miyamoto avaient en tête dès 1985. Super Mario World a tout pour plaire à ses adeptes, et les ventes sont au rendez-vous. Mais ce nouvel épisode reste l'évolution d'une recette déjà éprouvée et surprend moins. Subitement, le sourire naïf de Mario fait vieux jeu comparé à un Sonic plus rock'n'roll. Pour ne rien arranger dans les salles obscures, on se navre de la médiocrité de la production hollywoodienne Super Mario Bros, symbole d'une exploitation commerciale devenue hors de contrôle. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Portez-moi la pierre ! Viens la chercher, vieux tétard ! Plombier ! Il leur faudra sauver la princesse. Il faudra patienter quelques années, le temps que tous les contrats expirent, avant que Nintendo Japon ne puisse reprendre complètement la main et adopter une stratégie plus regardante concernant ses partenaires. En attendant, dans les bureaux de Nintendo of America, on est en colère. Une peluche de Sonic est pendue haut et court en plein milieu du couloir, et des publicitaires fomentent la campagne Play It Loud, visant à combattre Sega sur son propre terrain à l'aide de Donkey Kong qui fait son grand retour. We just decided to come out here on a hunting trip. As a matter of fact, here's some of those little suckers again. Hey! Super NES gives you 4 free games. Sega gives you no free games. Which do you choose? Mario, s'il s'abaisse lui aussi au vilipendage pour vendre la compilation de ses premières aventures, Super Mario All-Stars, se tient globalement en retrait pour explorer de nouveaux genres de jeux, servir de tremplin à de nouvelles franchises, plutôt que de se confronter directement au hérisson bleu et à l'arche de Noé qui suit. Dans l'espoir d'engranger à leur tour des millions de dollars au profit de leur écurie, canards, écureuils, lynx roux, chiens, renards, chauves-souris, opossums, lézards et autres créatures s'essayent aux jeux de plateforme. Certaines de ces aspirantes mascottes, plus audacieuses, se frottent même à la 3D, alors balbutiante. Après Sonic, un certain Crash Bandicoot, vedette du jeu éponyme sorti sur la première console de Sony, la PlayStation, vient à son tour narguer Mario à son domicile. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pick up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? Hélas pour ses concepteurs de chez Naughty Dog, cette fois-ci, le plombier a de quoi répliquer. La conquête de la sacrée troisième dimension, jusqu'ici réservée aux PC de compétition, est lancée. Et Nintendo compte bien gagner la course. Le géant nippon du jeu n'est pas centenaire pour rien. Nintendo 64 was rushed to market for Christmas. They like the Nintendo 64. I'm gonna cry. You're kidding! Super Mario, wow. That was not Santa Claus, it was Mummy. Boxes full of clothes, CDs no one knows. When I wanted something for my Nintendo 64. Noël 1996. Le New Yorker se désole de voir les enfants délaisser les jouets traditionnels pour les loisirs virtuels toujours plus sophistiqués. Nombreux se voient en effet offrir la Nintendo 64 accompagnée de son jeu de lancement pour lequel on ne manque pas de qualificatifs élogieux. L'événement de la rentrée qu'on appelle déjà le plus beau jeu vidéo de tous les temps. Mario 64 sur Nintendo 64. Nintendo 64 kommt.
und befreit die Videospiele aus ihrer flachen Welt. It's the best video game ever created. Mr. Miyamoto's masterpiece, Super Mario 64. Hello! Le meilleur jeu vidéo jamais créé, le président de Nintendo of America ne mâche pas ses mots. Mais quand on a en stock de quoi chambouler une industrie tout entière, on ne s'embarrasse pas de nuances. Super Mario 64 est une révolution. Des mondes en trois dimensions explorables à plaisir, impressionnants, nombreux, variés. Un système de caméra laissant le soin aux joueurs de cadrer eux-mêmes l'action. Intuitif, novateur. Mario est plus attachant que jamais. Désormais, il parle. Here we go! Hello, it's Mario! Le comédien engagé pour l'incarner à différentes occasions il y a 6 ans de cela, Charles Martinet, le rend étonnamment expressif, loin de la voix rondouillarde que lui prêtaient les dessins animés. Mon favori est quand on ne se toque le contrôle, pour 30 secondes, ese Mario commence à dormir, faisant. Mon favori de l'Antonio. La finition de Super Mario 64 est telle que personne ne parviendra à reproduire avant longtemps les sensations que l'on ressent pas dans main. À en faire rager la concurrence. Yeah! Pourquoi cet homme a tous les honneurs, je dois montrer au monde que je suis bon moi aussi, s'agacer Hirokazu Yasuhara, obsédé à l'idée de surpasser Miyamoto. C'est ce que dit avoir entendu le game designer américain Mark Cerny pendant le développement de Sonic 2 en 1992. Super Mario 64 enfonce le clou, au point de faire fléchir Yuji Naka qui, s'il a pu penser un instant que son hérisson concourait dans la même catégorie, concéda volontiers avoir été battu à plate couture. You got a new Nintendo 64 game coming out, and you'd better tell us all you know. Make me. Look at your little plumber boy now. What are you doing? Run! The Mario doll hooked up to the battery cable. Don't you can. Nick Cusworth d'Argonaut Software, créateur de la série de jeux de plateforme 3D Croc, lui, pointera du doigt le fossé qui sépare Nintendo du reste de l'industrie 20 ans plus tard, en s'étonnant que la situation n'ait pas évolué. Des fois, je me dis que chez Nintendo, ils ont le pouvoir de voyager dans le temps, car bien des années après Super Mario 64, Croc de luttait encore pour mettre en place un système de caméra, et ça marchait tellement mal. Constat d'autant plus éclairé que deux autres membres de son studio ont vu de leurs propres yeux la magie opérer avant tout le monde, au moment des premiers pas de Mario sur des jambes tridimensionnelles. Gilles Godard et Dylan Cuthbert, les premiers étrangers à avoir jamais travaillé en interne chez Nintendo. Binôme qui, en plus d'avoir aidé la firme à la transition vers la 3D, a su tisser des liens avec leurs collaborateurs nippons. Assez pour que Miyamoto réponde présent au mariage de Dylan, assez pour saner quelques-uns des secrets de leur savoir-faire. Selon Gilles, en charge du visage de Mario au menu de Super Mario 64, le peaufinage est l'un d'eux. Si tu ne joues pas au jeu, tu ne relèves pas les petites nuances. Les équipes de Nintendo passent beaucoup de temps à jouer au jeu qu'ils réalisent. La moitié de l'équipe joue pendant que l'autre développe. C'est pourquoi à la sortie, ils sont si bons. Pas d'arcane donc, du temps, de l'argent, du talent, de l'expertise, une minutie devenue la marque de fabrique de Nintendo qui, 10 ans après avoir défini les standards de la plateforme 2D, réitère avec la 3D. Devant cet exploit, l'industrie s'incline. The Academy of Interactive Arts and Sciences is very pleased to present the first Academy Hall of Fame Award to Mr. Shigeru Miyamoto. おめでとうございます! ありがとうございます! どうなんでしょう?実家っていうのは湧くもんなんですか? いや、まだわかんないですよ。 照れくさいです。 本当に宮本さんっていろんなゲームを作られてきましたよね? そうですね。まだやりますよけど。 これでなんか引退みたいに思われたら困るんで。 Thank you very much. I'd like to thank all of the people who have worked with me to make a number of games. And on behalf of them, I thank you for this honor.
ému, porté au nu dans le monde entier, on aurait pu imaginer le concerné épanoui comme jamais, fier des prouesses de son personnage, pour lequel il a repris le poste de réalisateur solo une dernière fois. La vérité est tout autre. Attentif à ce qui se fait, ses propres enfants jouent à la Sega, Miyamoto semble serein lorsqu'on l'aperçoit en train de tester Crash Bandicoot à l'E3 de 1996, constatant que les Américains en sont encore à proposer des niveaux linéaires. Pour ce qui est de Sonic, s'il lui reconnaît des qualités, il reste à ses yeux un imitateur. Un adversaire passager dont la rivalité avec Mario est toute relative et surtout entretenue par la presse et des lecteurs avides de sang. En fait, Miyamoto considère que les ambitions de Nintendo sont différentes de celles de Sega, pour ne pas dire supérieures. Sega cherche une manière de se démarquer dans un marché existant. Nintendo crée le marché, en investissant dans sa branche de recherche et développement, puis en commercialisant les résultats de ses recherches. Un travail d'explorateur, de pionnier, dont Mario est devenu le porte-étendard. Terminé de se soumettre aux contraintes techniques de son époque, comme il l'a fait jusqu'ici, le plombier se fait désormais annonciateur du futur et attend patiemment que la technologie soit prête pour concrétiser ses projets, quitte à se faire petit des années durant. Mais alors, qu'est-ce qui empêche Miyamoto de se réjouir de son travail ? La réalité, c'est que le hérisson l'intéresse peu. Tout comme le marsupial. L'animal qui le préoccupe joue dans une autre basse-cour. À ses yeux, face à lui, Mario ne passe plus que pour un gros poisson dans une petite mare. Venu gratter quelques accords à un concert en l'honneur de Mario, Zelda et Yoshi, Miyamoto, onglet au doigt, le médiateur des adeptes de Bluegrass, valorise par sa présence sur scène l'importance de varier ses centres d'intérêt. Jusqu'ici, surtout pris par sa vie de famille dont il avait fait une priorité, la majorité de ses enfants lui a permis d'alléger son emploi du temps personnel pour expérimenter un spectre d'activités de plus en plus large. En 1998, il s'est mis à jardiner, en 2000, à élever un chiot pour lequel il a fabriqué une niche. Aussi, la cinquantaine entamée, plus question de mettre sa santé entre parenthèses et de continuer à s'allumer une cigarette derrière l'autre. Miyamoto a arrêté de fumer et s'est mis à la natation. Tout cela en plus de continuer à faire de la musique dans le studio qu'il a aménagé dans son garage. Oh. Ce retour au réel lui fait du bien. À l'opposé de son métier, lassé par un secteur qui, selon lui, se regarde trop le nombril, éminé par l'impression désagréable de rejouer la même musique encore et encore. Il a avoué à la presse être devenu feignant et que, même en faisant de son mieux, cela ne représentait que 80% de l'énergie qu'il donnait à la fin des années 80. Quand on l'interroge sur ses plans d'avenir, Miyamoto répond vouloir travailler sur quelque chose de nouveau et lever le pied sur les franchises gagne-pain qui accaparent toutes ses journées. Assurément, la prolifération des franchises populaires de Nintendo est allée de pair avec la nécessité croissante de les nourrir de suite. En s'entourant davantage d'éditeurs tiers, un effort a été fourni pour subvenir à la demande et libérer du temps dédié à l'innovation. Mais le changement prend du temps et une crise se fait sentir. しかしまだそのこのみんなの集まりこの特殊なマーケットの中どうしてもこのみんなの集まりこの特殊なマーケットの中でちょっとした事件をこう繰り返してるだけに過ぎないところがあるんです。でこのゼルダの伝説を僕が言うような中に出してもやっぱりその大昔のスーパーマリオブラザーズのところのインパクトは世の中に対してはないと思います。でもっともっとその
世間一般の皆さんがこの業界に入ってきたような世間一般の人たちに、大衆と呼ばれる人たちに新しい魅力を届ける努力をするべきかと思ってるわけです。で、そのたった一つのちっちゃいアイデアで思わぬ社会現象が起こる、これがあのエンターテインメント娯楽の産業の面白さだと思います。で、我々がマリオ64とかレースゲームでその豪華なピクセルの話で話題持ち切りになってる傍らで、その持ち運びができるだけでこういうちっちゃい、その特徴を生かしたキーチェーンのたまごっちっていうゲームが、わずかその十数ドットの四角いちっちゃな画面の中だけで 大ヒットしてしまいました。で、私はその時ですね、マリオ64がやっぱりたまごっちに負けちゃったって思ったんですね。いや、I'm serious. Yeah, I'm serious. Le Tamagotchi, une simulation d'animal virtuel qui tient dans la poche. Un concept simple, compréhensible par tous, devenu phénomène la même année que la sortie de Mario 64. Tamagotchi. Nani o kaun desu ka? Tamagotchi. Nan desu ka? Tamagotchi. Tamagotchi, pet rock of the 90s. Yes, thank you very, very much. $17.99. Tamagotchi. Ainsi, les véritables rivaux de Miyamoto sont plutôt des profils comme Aki Maeta et Akihiro Yokoi, les créateurs du Tamagotchi, ou encore Erno Rubik. Miyamoto s'est longtemps vu fabricant de jouets et a nourri le rêve de créer un équivalent au Rubik's Cube, un objet tangible qui touche tout le monde et pas seulement une élite capable de se servir de 10 boutons à la fois. Les jeux vidéo devraient être créés dans cet esprit, pense-t-il. En 2002, les œuvres qu'il cite comme essentielles à la bonne santé de son industrie sont ancrées dans la réalité. Bowling Ball, un traducteur de la langue canine élu meilleure invention de l'année par le Time Magazine, ou Taiko no Tatsujin et Samba de Amigo, des jeux de rythme. Leurs concepts sont résumables en une phrase et leur jouabilité intuitive. À son grand désarroi, Mario n'a fait que s'éloigner de cette philosophie. Et s'il a pu penser que le premier Mario 3D était dépassé par le Tamagotchi et ce qu'il représente, il en est certain pour Mario Sunshine, le dernier opus. L'épisode sur GameCube est le premier réalisé par Yoshiaki Koizumi, remarqué pour ses hauts faits depuis son arrivée en 1991, qui a imaginé une aventure centrée autour d'une pompe à eau, moyen de mettre en valeur la gestion des fluides de la 128 bits. Pas de quoi griser Miyamoto. Je pense que Nintendo doit faire des jeux qui peuvent être appréciés par divers profils de joueurs, et c'est la mission de Mario par extension, rappelle-t-il pendant la promotion de Super Mario Sunshine. C'est une vraie suite de Mario 64, ce que je regrette d'une certaine façon. Pas par rapport à la qualité de Super Mario Sunshine, mais parce qu'il se pourrait qu'il n'attire pas ceux qui veulent se remettre à jouer. The thing is that we as game designers often repeat the same mistake. And that's because we're too familiar. We know too much about the games that we're making. We tend to forget that actual gamers will come into it not knowing anything about the games that we've been creating. We have to force ourselves to make the software purely from the viewpoint of the game player. Ces craintes sont fondées. Les ventes l'illustrent nettement. Super Mario 64, tout monument qu'il est, s'est écoulé à 11 millions d'exemplaires, deux fois moins que Super Mario World, déjà en perte de vitesse par rapport à Super Mario Bros. Un déclin qui s'accentue avec Super Mario Sunshine, seulement 6 millions d'exemplaires ont trouvé preneur. Les résultats commerciaux des consoles suivent conjointement la même courbe. La Nintendo 64 a été un semi-échec, la GameCube pire encore. Le cul entre deux chaises, Nintendo n'attire plus les hardcore gamers, ni les néophytes, malgré de nombreux appels du pied. Même la nouvelle entrante du marché, la Xbox de Microsoft, lui vole la seconde place du podium derrière la PlayStation 2. Si les jeux Nintendo ne parviennent pas à se démarquer, alors tout le processus créatif est caduque, ce qui m'a rendu très triste, notamment pendant l'ère GameCube, se remémorera Miyamoto des années plus tard. Plus nous entrions en confrontation avec les nouveaux concurrents, plus on a commencé à faire comme eux.
Mais être le numéro 1 dans la compétition, c'est être le numéro 1 aux yeux du public? C'était notre questionnement. La quête d'identité de Nintendo, alors que plane la peur de finir comme Sega, qui a annoncé arrêter la fabrication de consoles après l'échec de sa dernière machine, la Dreamcast, se ressent jusque dans leur communication. Dans leur campagne marketing de 2003, l'une des plus ambitieuses de son histoire, avec le tournage de publicités sophistiquées, trois mots reviennent en boucle. Once again, be rescued. Who are you? Qui sont les joueurs de Nintendo? Ou plutôt, quel joueur Nintendo veut-il atteindre? Inspiré par ses hobbies, Miyamoto pense avoir la réponse pour sortir sa firme de la boucle infernale dans laquelle elle est enfermée. Plus impliqué que jamais dans la stratégie globale de Nintendo, siégeant dorénavant au conseil d'administration, il est prêt à affronter ce qu'Hiroshi Yamauchi, à la retraite depuis mai 2002, qualifie d'épisode crucial pour la firme et sa prochaine génération de consoles. L'ancien président, amateur de formules provocantes et dramatiques, a prononcé ces mots en référence à la prochaine console portable que Nintendo va bientôt mettre en vente. Moshi DS ga seikou sureba Nintendo wa oi ni yorokobimasu ga shippai shita bae wa shigoku no soko ni ochiru koto ni narimasu. Tsugi no 2 nenkan ga Nintendo no unmei o sayu suru deshou. Du destin de Nintendo et du destin de Mario, cela va de soi. En apesanteur, Buzz Aldrin est assurément plus à l'aise que Mario. On n'en attendait pas moins du second homme de l'histoire à avoir marché sur la Lune. A l'inverse, l'astronaute reconnaît ne pas savoir se servir d'une manette et ne s'adonner à ce vol parabolique que dans le cadre d'une promotion rémunérée. Il chante ainsi les louanges du nouveau Mario, Super Mario Galaxy, sans savoir à quel point elles sont méritées. Super, super duper Mario. Right. Le plombier ne signe pas seulement un nouveau chef-d'œuvre maîtrisé de bout en bout, le propulsant à nouveau au niveau des attentes du monde entier, dans les étoiles du jeu vidéo, mais a également réussi à suivre le mouvement plus global de sa maison mère, qui a opéré un changement majeur dans sa stratégie. Do you know anyone who's never watched TV, never seen a movie, never read a book? Of course not. Do you know someone, maybe even in your own family, who's never played a video game? I bet you do. How can this be? If we want to consider ourselves a true mass medium, if we want to grow as an industry, this has to change. You want a revolution? We got one.
Avec la Wii et avant elle la DS, Nintendo est parti à la conquête du grand public. Terminer la course à la puissance, le renouvellement de la manière de jouer et la rendre intelligible par tous, prévaut. Rock. Pour reprendre le champ lexical de Stratégie Océan Bleu, ouvrage souvent cité comme illustrant la trajectoire choisie par Nintendo, qui certifie qu'il vaut mieux investir dans une branche à faible concurrence que de s'embourber dans une guerre aux trop nombreuses factions, c'est une opération de focardage réussie, rendant praticable une mer peu exploitée, celle du casual gaming. One thing that I think maybe people around the world often forget, Nintendo actually released a device that used touch as an input mechanism before the iPhone even released. Dans ce nouvel espace du marché peuplé d'utilisateurs qui rament à la moindre complexité, la difficulté pour Mario a été de satisfaire tout le monde, de parvenir à la fois se réconcilier avec le grand public et de continuer à faire figure d'autorité. Mais fidèle à ses origines, il a su se montrer polyvalent. À l'image de Super Mario 128, démo technique destinée à montrer ce que la GameCube avait dans le ventre, Mario, à l'aube du nouveau millénaire, est plus que jamais pluriel. Pour favoriser la réussite commerciale de nouvelles franchises, il y a peu de sports auxquels il ne s'est pas exercé, peu de genres de jeux auxquels il ne s'est pas frotté. Morceler sa série principale, toutefois, c'est une toute autre démarche à laquelle il n'a pas été contraint jusqu'à ce jour. Oui, Mario Galaxy assoit sa réputation d'innovateur ambitieux. Oui, Yoshiaki Koizumi a fait de grands efforts pour le rendre plus accessible que les Mario 3D précédents, en partie grâce aux leçons tirées de Donkey Kong Jungle Beat, un jeu de plateforme se prenant en main avec deux congas qu'il a réalisé entre-temps. Mais les performances commerciales, si elles enrayent la décroissance de la série, restent incomparables à celles de l'âge d'or. Pour les retrouver, un autre Mario doit entrer en scène. What's happening, y'all? Daylin here. We're able to catch up with a legend, none other than Mario. How you doing, brother? Thank you very much, Daylin. New Super Mario Brothers for Nintendo DS. Now, a lot of people can't wait to get their hands on this one. So what makes this new one so special? You know, Daylin, there are a lot of games out there starring me, Mario. But the new Super Mario Brothers, it's like a blast from the past. It's my first new side-scrolling platform game since the day. New Super Mario Bros. A un titre qui associe de paradoxal qu'il propose de s'adonner à du bon vieux Mario après plus d'une décennie depuis le dernier épisode 2D inédit. À l'ancienne, les designers de Nintendo se sont creusés la tête pour aménager des parcours ingénieux sans la pression de devoir réinventer la roue. Une remise au goût du jour avec quelques éléments en 3D et une palette de mouvements issue de Super Mario 64 fait l'affaire pour satisfaire les possesseurs de la Nintendo DS. En effet, à sa sortie, ils sont 30 millions à se fournir la cartouche. Un chiffre colossal que l'écraseur de Goomba n'avait pas atteint depuis la fin des années 80. L'argent peut couler à flot avec moins d'efforts créatifs et techniques, il le sait maintenant. Peut-être un peu trop. Contrairement à son alter ego 3D qui raréfie ses apparitions pour s'assurer de frapper un grand coup à chacune de ses prestations, lui adopte le rythme inverse, les suites sont produites à la chaîne. New Super Mario Bros. Wii inclut la possibilité de jouer à 4 sur la même console. New Super Mario Bros. 2 tourne autour de la collecte de pièces d'or. New Super Mario Bros. U exploite le gameplay asymétrique de la Wii U. Des fonctionnalités plaisantes, parfois anecdotiques. Les habitués ont par moments le sentiment que Nintendo tourne en mode automatique, alimentant une machine capable de produire des niveaux génériques, interchangeables. Quant aux moutures 3D Land et 3D World, à mi-chemin entre les Mario classiques et les jeux modernes, elles ont le mérite d'enfin parvenir à rendre la 3D à la portée des débutants. Tel un rentier, certes soucieux de bien faire son travail, Mario minimise les risques et capitalise sur ses acquis d'antan.
le signe qu'il commence à vieillir. The strategy behind this newest game is definitely spot on. Nostalgia, nostalgia, nostalgia. Du Golfe, 1991. Les Irakiens inondent les déserts du Koweït d'une mer de feu, comme l'avait promis Saddam Hussein. Curieusement, sous les décombres d'une caserne américaine ravagée par les bombardements, une petite machine semble être insensible aux flammes. Pas un char blindé, non. Une Game Boy. Installée section musée du Nintendo World Store, premier magasin officiel de Nintendo situé au cœur du Rockefeller Center, les visiteurs sont systématiquement surpris de la voir fonctionner lorsqu'on y insère une cartouche de Super Mario Land. Quel meilleur symbole pour asseoir une réputation d'excellence et de fiabilité? Une longévité que Mario vient célébrer tous les 5 ans en ces lieux depuis qu'il est majeur. En plein cœur de New York, cet antre de plus de 3000 m² abrite depuis 2005 les goodies les plus recherchés par les fans de la marque nippone. And we are here at Nintendo World celebrating the 25th anniversary of Super Mario Brothers. Nintendo came out in full support of Mario, and boy do they know how to party. We've got Mario for pictures. We've got a booth we're talking about the Mario memories. First game, 5 years old. Literally when I was born. My brother, he was playing his NES and then he brought the game with him to the hospital. I've grown up with Mario. It was my first video game I ever played. Okay. Yes. That outfit. Did you buy it or? I made it. Oh, nice. How excited are you? Mario! Mario! Ces anniversaires sont l'occasion pour lui de proposer toute une série de produits commémoratifs. L'éditeur de niveau Super Mario Maker pour les 30 ans. Le Battle Royale Super Mario 35 pour les 35 ans. Sans compter l'infinité d'éditions spéciales de consoles, de jeux et de goodies. Il s'est même payé le luxe de se faire fabriquer une montre sur mesure par l'horloger suisse Romain Jérôme, dont le prix s'élève à 17 500 € l'unité. À défaut d'être accessible au commun des mortels, elle renforce le prestige du personnage, paré à affronter les affres du temps. Loin de peser sur Mario, le poids des années est au contraire un héritage précieux, dans lequel il pioche de plus en plus, y compris dans sa série principale. Yes! Next, let's switch. Les niveaux de Super Mario Odyssey, successeur de Super Mario Galaxy, sont empreints de nostalgie. Phase 3D classique et phase 2D en pixel art s'entremêlent. Mario sillonne des pays hommage aux moments marquants de son parcours. Le New York de ses débuts, se frayant un chemin sur les échafaudages jusqu'à Donkey Kong, pendant que Pauline, la demoiselle en détresse de l'époque, pousse la chansonnette. Ou les jardins du château de la princesse Peach de Super Mario 64, dans lesquels il peut se balader sous son apparence N64. Les costumes disponibles sont autant de références qui témoignent de la grande richesse de sa ludographie. Même si séduire les nouvelles générations reste la priorité, c'est une bonne manière de faire des clins d'œil à ses adeptes les plus fidèles. S'agissant de loyauté, Shigeru Miyamoto n'est pas mal non plus. On aurait pu le croire trop occupé à choyer ses nouveaux amis les Mii, ravis de la direction qu'a emprunté Nintendo au milieu des années 2000. Et il est vrai qu'il n'est pas du genre à regarder dans le rétroviseur. Pour autant, même s'il n'est pratiquement plus investi dans le développement des jeux Mario depuis Super Mario 64,
Il ne raterait pour rien au monde l'anniversaire de sa progéniture virtuelle et se repaît volontiers d'une part de level 2-2 au Nintendo World Store. Les invitations à des événements en son honneur sont de plus en plus fréquents. Il ne compte plus les fois où il a dû réexpliquer les origines de son menuisier, lorsqu'il reçoit un énième prix, quand on l'invite à prouver sa capacité à terminer le premier niveau de Super Mario Bros, dans le cadre d'une promotion ou d'un talk show. Miyamoto, you are a god. I have one question. What is your obsession with mushrooms and mustaches? Shigeru, Miyamoto, what's your, what do you think of my performance? Yeah. C'est la moindre des choses que Miyamoto puisse faire considérant le puissant power-up qu'il s'est révélé être pour sa carrière. À une époque où le métier de game designer n'existait pas, a-t-il déclaré aux 20 ans de la franchise, Mario a inventé et validé ce rôle pour moi. Ainsi, personnellement, il a été ma bonne étoile. Une étoile d'invincibilité, lui insufflant la force d'imposer son approche davantage artistique que purement technique, quand les jeux n'étaient encore conçus que par des programmeurs. En guise de gratitude, il réservera éternellement à Mario un privilège. J'ai créé beaucoup de caractères dans ma carrière, mais quand je fais un dessin, j'ai toujours écrit Mario. Bientôt septuagénaire, quoi de plus normal de consacrer à son personnage favori ses dernières années chez Nintendo? Sur cette ultime route, se dresse une fois de plus celui qu'on lui a autrefois désigné comme adversaire. Foireux, confetti mal placé, aucun couac ne vient à bout de l'enthousiasme de Miyamoto. Here we go. Okidoki. We are Mario. Inlassablement, à chaque inauguration d'un parc à thème, il reproduit le saut emblématique de Mario et accourt tel un tanuki lorsqu'on l'appelle. Depuis quelques années, il s'est démené pour donner vie à ce projet, a indiqué le chargé de la division Entertainment de Nintendo, Shinya Takahashi. De ce fait, la création de jeux occupe une place plus mineure dans son emploi du temps. Tandis que Nintendo affiche le désir d'évoluer en une entreprise de divertissement et plus seulement de jeux vidéo, le créateur japonais est tout excité à l'idée de se frotter à un domaine qui lui est étranger et donner l'illusion de la vie à son royaume enchanté. Bienvenue au Super Nintendo World. Veuillez emprunter l'entrée par le château de Peach, vous accéderez à la cour centrale dominée par le mont Killer Raid. Sur votre gauche, admirez le château de Bowser, qui renferme l'attraction Mario Kart. À votre droite, des Yoshi vous emmèneront pour une excursion relaxante.
Besoin d'un remontant? Ah. Toutes sortes de plats vous attendent au Kinopios Café, cuisinés avec amour par les Todds. Du burger à moustache à la salade de plantes piranha. Équipé de votre bracelet connecté, vous remarquerez que, game designer oblige, Shigeru Miyamoto a parsemé le parc d'éléments de gameplay. Ravi de pouvoir amener son expertise en rendant les attractions interactives, constatant que la conception d'un parc à thème présente des similitudes avec la conception d'un jeu vidéo, il déclare que ce partage d'expérience va probablement être la façon la plus intéressante de s'investir au cours des années qui lui restent. Avant de préciser que le Super Nintendo World, zone thématique des Universal Studios, est le fruit d'une collaboration plus étroite que l'habituel partenariat des franchises transmédia. Une volonté de ne pas réduire son parc à une simple extension et le rendre plus comparable aux leaders du marché. As you can see, I am feeling that dizzy spirit right now. I got my ears on. We're standing in front of Sleeping Beauty Castle as the sun comes up, so it's a magical moment. And of course, we have Mickey right here. Mickey and his friends are running around the park right now, getting everything ready for the 100th anniversary. Au cœur de Main Street USA, à Disneyland, on s'active pour installer une statue de platine très spéciale à l'effigie de Mickey Mouse. The Walt Disney Company s'apprête à célébrer avec faste sa fondation il y a un siècle. Une ancienneté spectaculaire qui rappelle que Mario est presque un nouveau venu en comparaison de Mickey Mouse, des mots de Pierre Pigou. Le spécialiste en Disneylogie, en s'appuyant sur son ouvrage intitulé « L'assassinat de Mickey Mouse », relève que, malgré la différence d'âge, les deux avatars partagent de nombreux points communs. Tous deux ont dû renier leur caractère originel, facétieux, pour toucher un large public. Dès l'instant où le plus grand nombre est pris en considération, affirme-t-il, tous les angles s'émoussent et tous les traits se simplifient, parfois jusqu'à la vacuité. Mario ne pouvait guère y échapper. La responsabilité d'un personnage enfle à mesure que son audience s'accroît. L'influence qu'exerce Mickey auprès des enfants du monde entier est telle qu'elle l'a poussé inexorablement à bannir toute action ambiguë et devenir un exemple positif. Pour faire de même, la tâche pour Mario est ardue compte tenu de l'image désastreuse des jeux vidéo. Dès 1990, Miyamoto confiait avoir ouvert les yeux sur le sujet en devenant père de famille. Selon lui, quand les parents regardent leurs enfants lire un livre, ils considèrent ça comme une bonne chose. Mais le voir devant la télé à jouer à un jeu vidéo, d'une certaine façon, ils se sentent coupables. Son souhait était alors de tout faire pour que jouer soit vu aussi positivement que bouquiner. Au point que les parents se réjouissent du jour où leurs enfants sont en âge de tenir une manette. 30 ans d'amalgame et de scandale plus tard, la mission ne lui semble pas tout à fait accomplie. Beaucoup de parents veulent empêcher leurs enfants de jouer aux jeux vidéo, se désole-t-il auprès du journal Nikkei en 2019. Mais ces mêmes parents n'ont aucun problème à leur permettre de regarder des films de Disney. On ne peut pas concurrencer sérieusement Disney, à moins que les parents commencent à se sentir à l'aise à l'idée que leurs enfants jouent aux jeux. Quatre décennies à s'agripper au drapeau des niveaux les plus ardus n'ont pas suffi. Mario est encore trop confiné à son média d'origine, pense Pierre Pigou. Il reconnaît qu'il a connu le manga et le dessin animé, mais certainement pas avec la même intensité. Il demeure un personnage des jeux vidéo. Mario n'est pas un personnage de BD, alors que Mickey est capable de l'être intégralement. Mais ça, c'était en 2016, année où ont été recueillis ses propos. C'était avant les Super Nintendo World. Et, surtout, c'était avant que les mignons ne s'en mêlent. It's multi-generational, right? Mario is this pillar that forms the foundation of the childhood of my generation, of my kids' generation. There's so many people, all of them remember the first time they played Mario. I spent most of high school not making friends and playing this game instead. But you're also having those moments of, look at that, I remember that from this game. So it's really like a trip down memory lane.
travail des studios Illumination, Super Mario Bros. Le film est le troisième plus gros succès au box-office des films d'animation de tous les temps. Mario s'invite à la table des monarques, talonnant de près le Roi Lion et la Reine des Neiges 2. Une sacrée revanche après sa tentative infructueuse à Hollywood il y a de cela 30 ans. Ce triomphe ravit les fans du plombier et émerge sur le net de plus en plus de mises en scène l'opposant à la souris. Look at the ratings. I left you in the dust, you're the stupid rat. Don't be a little pussy and fight. It's no longer Disney. I am the boss man. La polyvalence de plus en plus marquée de Nintendo rend tentante la comparaison. Il y a toutefois des différences profondes d'ambition, de culture et de passif, selon Matthew Ball, dans son analyse du sujet qu'il conclut en ces termes. Nintendo ne veut pas être Disney. Nintendo veut rester Nintendo. Il est important de reconnaître que certains ont pour vocation de perfectionner leur savoir-faire spécifique, pas l'expansion. Toutes les entreprises ne sont pas enclines à s'étendre comme Disney, en jouant sur plusieurs terrains comme les parcs d'attractions, les médias ou la vente de produits dérivés, met en lumière l'essayiste. Les efforts à fournir ne doivent pas être sous-estimés, tant sur le plan du management tentaculaire que de l'acquisition de savoir-faire complexes et variés. Quand les équipes de Nintendo souhaitent pénétrer de nouveaux marchés, elles préfèrent s'entourer d'acteurs externes plutôt que de modifier en profondeur le fonctionnement de leur maison mère. Illumination pour ses films, Universal pour les parcs. Elle compense le manque de contrôle qui en résulte par une application et des exigences importantes. Lego Mario time. Il a fallu 5 ans de développement avec Lego pour qu'un concept de set suffisamment différenciant soit validé. L'infinité d'opportunités qui s'offrent à elle n'y fait rien. La firme Kyotoid veut préserver son image prestigieuse en ne se précipitant pas pour répondre à la moindre demande du marché. Si Nintendo cède aux tendances, c'est toujours à contre-cœur. L'échec de la Wii U, successeur de la Wii, et le déclin de ses consoles portables face à l'avènement des jeux mobiles a contraint Nintendo à toucher à la sacro-sainte exclusivité de Mario sur ses plateformes pour le vendre sur téléphone. Le succès de la Switch qui a suivi a permis aux Japonais de s'éloigner de cette stratégie pour revenir vers une culture d'entreprise plus casanière à qui on ne dicte pas la trajectoire. Cette philosophie old school à certains égards est à la fois appréciée et jugée comme lui portant préjudice. Super Mario Bros. Wonder, le dernier né de la série qui revigore le genre du jeu de plateforme 2D, se présente sous le même format que ce que les joueurs ont toujours connu, une aventure avec un début et une fin. Les performances commerciales sont au rendez-vous, oui, mais ne suffisent plus à ce que le plombier occupe une part essentielle dans l'enfance des joueurs à l'ère des jeux évolutifs. Vendre 40 millions de cartouches en 1990 faisait de Mario le maître du monde. En 2024, un ponte parmi d'autres. La notion même de vendre est presque dépassée pour celui qui veut dominer à grande échelle. On ne jure plus que par le nombre d'utilisateurs actifs. Sur 20 millions d'acquéreurs, combien continueront d'explorer le royaume des fleurs, de Super Mario Bros. Wonder, des années plus tard? Les plaines cubiques de Minecraft, elles, continuent d'être arpentées par une centaine de millions de joueurs, plus d'une décennie après sa première bêta. Constat inquiétant pour le règne de la mascotte de Nintendo, qui n'est pas étranger à sa récente diversification. En cela, et en dépit des différences, Mario est peut-être plus voué à s'apparenter à Mickey qu'on ne le croit. Disney aussi attend d'être au pied du mur pour s'adapter à son environnement. Comme lorsqu'il a fallu lancer une plateforme de streaming face à la menace Netflix par exemple. Mario parviendra-t-il à rester sur le devant de la scène au sein d'un écosystème devenu méconnaissable? Une question qui en amène une autre. Parviendra-t-il à franchir l'étape décisive, inévitable, par laquelle Mickey est passé quand il avait son âge? Un niveau ultime à traverser. Mais lequel ?
As a man who is always thinking ahead to the next thing, I'm curious, where do you see the future of Super Mario going? Well, it's impossible to know the future. I mean, I don't know what's going to happen in 5 years. I don't even know if I'll be alive. But I'm fine. Le 25 mai 1955. Grève de la faim, manifestation, l'Union des travailleurs de Nintendo est prête à tout pour stopper la fermeture des usines et les licenciements en cours. Le nouveau président ne lâchera rien non plus. Hiroshi Yamauchi, héritier à 22 ans de l'entreprise de son grand-père, une fabrique de cartes à jouer, veut diversifier son champ d'activité et, par la même occasion, obtenir le respect. Chi no tsunagari dake de kaisha no toppu toshite atsukawareru koto ga yurusenakatta. Nani yori mo watashi wa karera ga watashi o mikubiru koto ga machigatte iru koto o shimeshitakatta. Hargneux, Yamauchi écrasa le mouvement contestataire avant de faire prendre à Nintendo un tournant décisif quelques décennies plus tard. À la surprise de tous, lorsqu'il prit sa retraite le 5 juin 2002, il ne choisit pas un membre de sa famille comme successeur, mais l'homme qu'il jugea le plus qualifié. Et bien qu'il soit décédé au creux de la vague de sa firme, le 19 septembre 2013, période Wii U, ses équipes lui ont envoyé un message rassurant au ciel avec l'incroyable prospérité qui a suivi. Nintendo va lui survivre. Arrivé à un moment, Mario devra faire de même auprès de Shigeru Miyamoto. À quoi ressemblera Nintendo sans vous? Nintendo a existé bien avant que vous soyez né et va perdurer bien après votre disparition. Quelle qualité Nintendo doit préserver afin de rester Nintendo? Difficile de ne pas se sentir un pied dans la tombe devant de telles questions. Mais loin de se faire plus de cheveux blancs, Miyamoto est serein. Il répond. Nintendo a 私たちの存在よりもはるかに前から存在しており、私たちの後も存続するでしょう。私は確信しています。 年々増え続ける競合他社は、任天堂がいかにして任天堂らしさを持つかについて、より深く考える機会を提供してきました。社長も50代で、ゼネラルマネージャーも同様です。私たちは任天堂の精神が成功裏に引き継がれるような方向を選びました。私はそれについて心配する必要はもうありません。 Savoir qui on est, connaître ses forces, ses faiblesses, ne se fait que dans l'adversité. Avec un tableau de chasse bien fourni, Mario mène cette quête avec brio, s'éloignant autant que possible des modes passagères qui poussent les studios à se copier les uns les autres. Privilégier la qualité plutôt que la quantité lui permet de demeurer prestigieux, de justifier à lui tout seul l'achat d'une console, quitte à aller à l'encontre des logiques de rentabilité les plus en vogue. L'histoire de Mario,
aussi touffue soit-elle, reste pourtant celle d'une naissance. Un tutoriel. L'enfance du plombier ne sera définitivement terminée qu'avec le départ du père, son ange gardien qui a veillé jusqu'ici à ce qu'on le traite avec soin. En espérant que cette introduction se prolonge le plus longtemps possible. の品質は想像されてから数十年後も引き続き需要があるかどうかで評価されるという学習を持っています。Hey, Pluto! Here she comes! ウォルト・ディズニーはディズニーが提供した全てのものの創造者ではありませんが、企業が持続的なシンボルを築くことができるというアイデアは私が尊敬しているものです。ついに任天堂のキャラクターと遊んでいた世代が同じキャラクターで自分の子供と遊ぶ時が来ました。長寿性は貴重ですね。Merci à tous d'avoir regardé ce documentaire jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Paul. Je fais des vidéos sur YouTube depuis une dizaine d'années maintenant sur la pop culture. Et ça faisait un moment que ça me travaillait d'aller plus loin dans ma démarche et de vous proposer un long métrage documentaire. Sans que ce soit prévu, je me suis lancé sur Mario, franchise qui me tient à cœur, franchise de mon enfance. Et ça a été un immense plaisir que de travailler là-dessus et d'aller vraiment au bout des choses. Le point noir, c'est que la réalisation de ce documentaire a pris une année entière de travail. C'était très long. Et ça a été un gouffre financier parce que tout ce temps sans publier, ça m'a privé de revenus. Mais voilà, je vois ça vraiment comme un investissement à long terme. J'avais vraiment envie de vous offrir une espèce de vitrine de ce que je pourrais vous offrir à l'avenir, du traitement que je pourrais apporter à d'autres sujets de la pop culture, donc le cinéma, les jeux vidéo, la musique ou encore les mangas. J'aimerais trop, par exemple, faire un remake de ma vieille vidéo sur Dragon Ball pour ceux qui l'ont vu et en faire un long métrage dessus ambitieux, bah, comme je viens de faire pour Mario. Ce serait trop bien. Maintenant, le tout, ça va être de rendre ça économiquement possible parce que c'est clair que je pourrais pas continuer dans ces conditions. C'est une telle montagne de travail que ça me laisse même pas le répit pour vous proposer entre-temps des vidéos plus modestes. Du coup, pour ouvrir une nouvelle ère sur ma chaîne et rendre possible la production d'autres documentaires de cette ampleur, j'ai ouvert une page Patreon dans laquelle vous pouvez me soutenir à travers des petits dons. Vous verrez, il y a différents abonnements qui vous donnent accès à divers avantages. Vous avez le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Pour ceux qui sont déjà donateurs, et d'ailleurs merci beaucoup à vous de m'avoir soutenu pendant cette année difficile, vous pouvez faire comme vous préférez, soit vous restez là où vous êtes, soit vous pouvez migrer sur cette page Patreon. Bref, je reviendrai plus en détail sur l'épreuve que ça a représenté d'aller au bout de ce projet sur Mario. J'en parlerai sans doute dans mon journal de bord La Quête, je pense d'ici la rentrée. D'ici là, je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances pour ceux qui en ont. À bientôt. Ciao.